Et bonjour, un nouveau petit tuto pour créer des groupes TD. Par exemple, si vous voulez donner accès à une ressource au groupe 1, ou alors si vous voulez faire des rendus de devoirs par groupe, il faut d'abord créer des groupes sur Moodle. Donc je vais vous montrer comment faire de manière relativement automatique sans tout rentrer à la main. Donc vous êtes sur votre cours Moodle, vous allez dans Participants. Ensuite, la petite roue ici, et vous allez dans Groupe. Dans groupe, vous cliquez sur créer des groupes automatiquement. Ici, vous mettez le nom du groupe que vous voulez créer. Donc, par exemple, ici, groupe TD MP1. Donc, je veux créer le groupe 1. Je vais mettre que il y aura un groupe. C'est important de mettre un 1 ici. On leur donne le rôle d'étudiant. On sélectionne maintenant la cohorte du TD1. Alors, regardez un petit peu ici. Si je veux accéder au semestre 2, il faut prendre le groupe avec le petit 2 ici. Si vous prenez avec le petit 1, c'est les groupes du semestre 1. Donc, le groupe du semestre 2 et le TD01, ça va être notre groupe 1. Si vous voulez les groupes TP, vous pouvez aussi le faire avec ce qu'il y a en dessous là. Donc, toutes les cohortes sont rentrées. Là, ici, je clique sur celui-ci. Je les répartis, moi je les mets par nom puis par prénom, c'est mieux, de manière alphabétique. Et je fais envoyer. Hop, voilà, il m'a créé un groupe TD MP1 ici. Et vous voyez, en cliquant dessus, j'ai accès à tous les membres du groupe. Si je veux faire le groupe MP2, MP3, etc., je recommence la même opération. Je reviens sur le cours. Maintenant, si je veux donner accès à ce devoir à rendre ici, je veux donner accès à ce groupe en particulier. Donc déjà, j'active le mode édition. Dans ce devoir à rendre, je vais aller dans les paramètres. Je suis dans les paramètres de cette activité. Et je vais aller dans restreindre l'accès. Donc ça va être la même chose, quelle que soit la ressource ou l'activité, je peux restreindre l'accès. J'ajoute une restriction par groupe. Je dis l'étudiant doit remplir les conditions suivantes. Il doit appartenir à ce groupe. Bah ici, celui-ci, celui que je viens de créer. Hop, ajouter la restriction. Hop. J'ai pas besoin d'ajouter cette restriction-là, hein, c'était automatique. J'enregistre et je reviens au cours. Voilà, maintenant, ces devoirs-là, seuls les groupes du TD1 ne pourront mettre un devoir dans celui-ci. Si je veux faire des rendus par groupe, il suffit ensuite de dupliquer. Je duplique ce devoir. Voilà, j'en ai un nouveau que je peux renommer groupe 2. Entrée, et puis dans les paramètres de ce deuxième, je rentrerai le groupe MP2 quand je l'aurai créé, bien sûr. Voilà, je pense que vous avez compris comment ça marche. Toujours pareil, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Bye bye.